Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour Justin Ordem, enfin, pour avoir la bonne fin. Alors il faut savoir que je viens de tester, pour savoir si ça fonctionne vraiment. Et effectivement, on a une fin qui est différente. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne fin, mais bon, on va écouter la deuxième cassette avant de commencer. Enregistré le 1er septembre 2016. Ok, la date est le 1er septembre 2016. Je n'arrive pas à trouver mon prochain sujet de test. Pour l'instant, tous les candidats possibles ne sont pas qualifiés. Ça va être une longue journée. Ça a l'air invitant. Le motel Dayfield. Des gens de l'hôtel pourrait être quelqu'un, l'un d'eux à laquelle je m'intéresse. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais voir le propriétaire pour une chambre. Alors, je sais plus quelle voix je lui avais fait. Bonsoir mon frère. Comment puis-je t'assister? J'ai besoin d'une chambre pour la nuit. Je peux vous aider. Ce n'est pas très beau, mais ça vous gardera votre tête sèche. Merci. Vous resterez dans la chambre numéro 17. 17? Mais il n'y a que 9 chambres. J'ai eu un gamin une fois. Un petit bâtard. Qui retirait tous les chiffres des pièces. Enfin, des chambres. Et ensuite, il les collait sur les mauvaises pièces. Donc vous ne pouviez pas retirer le 7? Je l'ai laissé là pour me souvenir de ne plus jamais avoir d'enfant. C'est assez juste. Oui, j'ai juste besoin d'un nom pour le registre. Bien sûr, Daniel, Dan pour être plus court. Et votre prénom? C'est votre prénom? Oui, c'est le mien. Mais si vous voulez, j'aimerais bien le garder en dehors du livre. T'as un problème avec le frère, avec la loi, mon frère. On peut dire ça. Eh ben, dans mon établissement, vous êtes en sécurité. Avec 20 dollars supplémentaires, je retire ton nom du registre. Parfait. Vous m'envoyez ravi, mon frère. Vous n'avez pas d'autres locataires par chance? On n'en a pas beaucoup, beaucoup de gens de passage. Bien, en fait, il y en a un. Il s'est inscrit ce matin. Elle avait le plus beau châssis que j'ai jamais vu et un joli petit cul. Ah ouais? Et quel âge a-t-elle? Elle doit avoir 20 ans peut-être. Eh, tu veux voir quelque chose? Bien sûr. Mais ça reste entre toi et moi, hein. Autrement, tu suis étrange, n'êtes jamais venu ici. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Vous avez ma parole. Très bien, suis-moi. C'est toujours la cassette, j'ai l'impression. Mon frère, bienvenue dans mon entre du plaisir. C'est certainement joyeux. Eh bien, ça me rend joyeux, au moins. Là en bas. Là en bas, prenez l'échelle, ok? Regardez dans le trou par là. D'habitude, j'y mets une cassette. Mais quelqu'un m'a volé mes putains de cassettes. Ah, nous y voilà. Jolie petite installation que vous avez là. Ça a l'air confortable. Ce n'est pas seulement une jolie petite installation que j'ai. Regarde ça, mon frère. La caméra? Tu vas voir. Wow. Est-ce que c'est la locataire dont vous me parliez? Elle est plutôt sympa, hein? Ah, elle est jolie, mais un peu trop jeune. Comment voulez-vous dire trop jeune? Mais elle doit avoir au moins 20 ans, peut-être 22 ans. Je sais pas, peut-être que ça a marché. Hein? Bien sûr que ça a marché, regarde-la! Elle est magnifique! C'est pas ce que j'avais en tête. Donc quoi? T'es pour les gars ou quelque chose comme ça? Tu ne comprendrais pas. Ce que je voudrais faire avec elle. Oh, je comprends. On a un esprit tordu. C'est toujours bien d'en avoir un, mon frère.
Tu sais, j'aimerais l'écarter. Je voudrais qu'elle sorte son cerveau et insérer le cerveau de quelqu'un d'autre dans sa tête. Putain, les gens de la ville, vous me faites vraiment flipper. Attends. T'es pas putain de sérieux. Je suis on ne peut plus sérieux. Mais comme je l'ai dit, elle est trop jeune. Ça ne marchera jamais. Mets tes putains de mains là où je peux les voir. Oh, pourquoi le flingue? T'es malade, gamin. Et maintenant, c'est qui le plus malade des deux avec son pipe chaud secret Je suis peut-être malade, mais t'es juste le dévilant. Mais t'es juste le diable incarné. Tu es dévil, j'en étais sûr. Je t'ai déjà vu tout à l'heure. Je devrais te truffer de plomb. Et laisser Dieu décider de ton sort. Non, ne me sortez pas ce truc de cette connerie de Dieu. Faire ce que tu fais est un péché aussi, tu sais. Mon frère, il y a des centaines de corps morts ici dans le désert. Les coyotes trouveront ton putain de cul avant les flics. Ils le trouveront probablement. Mais après, vous auriez à cacher un autre corps que j'ai dans mon comment dans mon coffre. Et l'un d'entre eux est un policier disparu. Tu bluffes! Vas-y. Alors dégage de mon putain de motel, tu m'entends? Bon choix. Et aussi, je vais prendre cet enregistreur en dessous de ton blouson. Ne crois pas que je l'ai pas vu. Tu peux avoir la cassette, mais l'enregistreur est à moi. Très bien, mets la cassette sur la table. Et dégage de ma propriété. Pas de problème. Oh, une dernière chose avant que je parte. Dites bonjour à Bob pour moi. Et il me manque une cassette. Donc je sais pas où je vais la trouver. On verra bien. En tout cas, on va continuer. Donc je vais ressortir mon fichier. Attends. C'est toujours en français, c'est bon. Je vais ressortir mon fichier Dave. Et je vais avancer jusqu'au passage qui m'intéresse. Ellipse. Et on reprend ici. Et il faut dire non. Merci pour l'offre, Bréa. Mais je peux pas le faire maintenant. Pas de problème, Marc. Si tu n'es pas intéressé, alors tu n'es pas intéressé. Mais c'est pas ça. Dans un endroit comme celui-là, j'aimerais être sur mes gardes. C'est assez juste. Ok, voyons ce que nous pouvons trouver. Il devrait être endormi maintenant. Ok, je vais regarder au rez-de-chaussée. Et donc voilà ce qu'il fallait faire. Il fallait dire non à la proposition de Bréa. Et vite choper toutes les cartes magnétiques. Et le bijou. Alors je sais pas si ça doit être fait vite ou pas, mais je le fais vite parce que de toute façon on l'a déjà vu. Vous savez exactement où elles sont. Et on s'en fout du coffre, on a déjà l'enregistreur. Par contre, ce qui nous manque, c'est la dernière cassette. Donc je vérifierai plus tard où la trouver et j'irai la chercher. Et ainsi, on pourra la lire ensemble à la fin de cet épisode. Donc le bijou. Ah ouais, j'ai oublié un truc. La potion, faut pas oublier la potion. Faut surtout pas l'oublier maintenant. Parce que sinon, il l'aura. Après, ça peut être une autre mauvaise fin, mais bon, on s'en fout. On veut la bonne fin. On est là pour la bonne fin. Après, je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne fin. Une grande porte noire, elle veut-il faire comme ça? Jaune. Donc, ça peut pas encore se faire. Vert. Tiens, j'ai réussi à dupliquer la carte bleue. Et là maintenant,
Quel est cet endroit? Bréa? Bréa? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je dois trouver un moyen de te sortir de là, hein? Quelqu'un arrive, je dois me cacher. Alors j'avais fait quelle voix? Ok, tout va bien, je vais envoyer le dévoreur de vertèbres après Marc. Qu'il aille se faire mettre, lui et sa famille de dégénérés. Mais toi, Bréa, tu seras beaucoup plus pour moi. Tu sais que tu peux m'entendre de... Je sais que tu peux m'entendre de là. Hé, hey, Bréa, veux-tu connaître un secret? Je parie que Marc t'a pas parlé de ce qui est arrivé à sa mère. Ma mère. Il ne s'est même pas demandé où j'ai pris ses tissus cérébraux. T'es prêt, Bréa? T'es prêt à entendre mon sale petit secret? Oh, s'il te plaît, non. Je l'ai tué! Ha! Je l'ai tué comme ce sale petit rat qu'elle était! C'était comme si c'était arrivé hier quand j'avais 16 ans. Marc était mon voisin, tu vois, et j'avais l'habitude de beaucoup. Et j'avais l'habitude de. J'avais une grande habitude de garder la maison. Bréa, installe-toi bien, j'arrive à la bonne partie. Vois-tu? Nous ne sommes jamais allés à la même école. Nous avons simplement roulé dans le même bus. J'ai réussi à voler sa clé de maison dans son sac à dos. Cette nuit-là, c'était la nuit où j'ai pris le restant d'âme de ce garçon. J'ai installé des jiwis dans sa maison depuis que son père est mort, pour m'amuser. Je suis surpris qu'il ait survécu pendant longtemps, mais cette nuit-là, j'ai essayé de le tuer aussi. Mais il traînait trop dans la maison. Alors, après avoir tué sa mère, j'ai tout essayé pour l'attirer vers les jiwis. J'ai fait des bruits, laissé des empreintes de main sur les portes, vitrées, même allumé son téléviseur. Et puis il m'appelle il y a 2 semaines pour me demander de l'aide et te transformer en sa mère morte. Mais dans quel monde de malades vivons-nous? Quoi qu'il en soit, ma chérie, bouge pas. Je dois juste aller prendre la formule à l'étage, et si ton mamie la trouve, il pourra potentiellement te guérir en créant son inversé. Mais nous ne voulons pas ça, n'est-ce pas? Reste magnifique. Accroche-toi, Bréa. Je trouverai un moyen de te sortir de là. Teva dit qu'il y avait un moyen de guérir. La formule va rien inverser. Peut-être qu'il y a quelque chose sur ce panneau de contrôle qui peut faire ça. C'est une note. Souviens-toi, Dave, tu as construit un mécanisme d'ingénierie inversée dans la console. Si quelque chose se passe mal, j'utilise la formule dans la console. Cela renversera la formule de liaison dans son état de base. Si jamais tu l'oublies, c'était utile. Et si jamais tu as envie de faire s'autodétruire absolument tout, tout ce que tu as à faire, c'est appuyer sur le petit bouton rouge. Tu sais, le petit bouton rouge que tu as fabriqué. Souviens-toi, Dave, t'appuies pas sur ce bouton rouge par erreur. Je sais que tu perds beaucoup de mémoire. Ok, maintenant quoi? Ah, c'est en cours. Ok. Tire maintenant ce bouton pour inverser la formule. Ok, c'est fait. Peut-être que je peux tromper Dave en le faisant utiliser la mauvaise formule. Je dois juste attendre le bon moment. Hein? Il revient. Eh bien, Maria, on dirait que ton petit ami a volé ma formule. Mais t'inquiète pas, je peux en faire une autre. À moins qu'il se révèle et ne me la donne maintenant. C'est maintenant ou jamais. Hé, hey Dave, regardez bien qui est revenu à la raison. Alors, Marc, pourquoi l'as-tu volé? Eh bien, je voulais pas te trouver. Je pensais donc que je commencerais le processus moi-même. Et tu sais comment faire? J'allais voir ça. Donc tu allais lancer ce processus alors que tu peux même pas te permettre de le foirer? Oui. Ouais, j'y crois pas. Tu te souviens de mon ami? Je suis sûr que Bréa s'en souvient. Est-ce que c'est ça que tu lui as fait? Bien sûr! Tu as transformé ta propre mère en un putain de monstre! Mon père était la seule personne dont j'avais besoin, mais j'en ai trouvé une pour ma mère. Donc tu es totalement fou, tu le sais ça? Non, je suis un putain de génie quand je résous le code maintenant à la mortalité. C'est donc cela qu'il s'agit, la putain de célébrité. Bien sûr! Maintenant, remets-la moi. Maintenant, sois témoin pendant que je donne naissance à la mort. Dave, ne le fais pas! Ce n'est pas bon! Pourquoi? Parce que tu dis que ça l'est pas? Eh ben, je crois que c'est juste! Vois par toi-même! Allez, Bréa, réveille-toi! Tu dois attendre quelques minutes pour que ça fonctionne, Marc! Ensuite, tu seras à nouveau avec ta chère mère. Bréa, je sais que tu peux m'entendre d'ici. Tu dois tenir le coup. Marc, ça marchera pas. Bréa! Quel intérêt sert-elle? Attends. Putain, quoi? Non! Bréa! Attendez! Bréa? Non, ça ne devait pas se produire. Non, ces indices montrent quelque chose. Quels indices? Elle essaye de communiquer, mais le cerveau envoie des messages erronés à sa bouche. Je vais essayer de les rediriger.
Marc? Bria? C'est moi, je suis toujours là. Bria, comment tu fais ça? Marc, je veux te dire quelque chose. Bria? Je t'aime, Marc. Bria, je vais te sortir de là. Je vais pas te laisser mourir. Ramène-la! Attends, non! Bria, peut-être que c'est trop tard. Je suis tellement désolé pour tout ce que je t'ai fait. Marc, ne t'excuse pas avant. Pas besoin de t'excuser. Bria! Salut chérie. Maman? Mais comment? Marc, mon chéri, je ne peux pas rester longtemps. Maman, je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé. Tout est de ma faute. Non, Marc, les choses arrivent pour une raison. Mais j'étais la raison pour laquelle ces choses sont arrivées. Je ne pourrai jamais me pardonner. J'ai besoin de toi, maman. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Mon petit, je pense que Bria a plus besoin de toi. Tu es devenu un bel homme. Elle a de la chance de t'avoir. Mais je serai toujours avec toi, Marc. Maman, ne pars pas. Je le dois. Tu dois faire ce qui est juste. Je t'aime, mon petit âme. Donc la potion de l'amour avec la potion rouge. Maman? Non. Je t'aime aussi, maman. Je dois te sortir de là. Bria, es-tu toujours là? Bria? Bria! Putain, mais je peux t'entendre! J'ai juste un gros mal de tête. Oh, et je veux pas ouvrir les yeux. Oh. Marc, à propos de ce que j'ai dit là-bas. Ça va aller. On pourra en parler plus tard. Maintenant, nous devons sortir de là, avant l'arrivée des flics. D'accord. Avant tout aussi, Marc. Oui. Où sont mes vêtements? Ils ont été déchirés par la transformation. Merde alors! C'était une veste à $400. Nous avons quitté ce trou. J'espère que tu pourriras en enfer, Dave. Avec les abominations que tu as créées, nous rentrons à la maison. Enfin. J'ai décidé de laisser Bria rester avec moi. Nous sortons ensemble maintenant. Cela fait quelques merveilleux mois. Je pense que nous avons tous les deux très peur de se quitter. J'espère juste qu'il ne reviendra pas. Good ending! Yay! Eh bien, au moins le café est bon. Je suis jamais vraiment venu ici pour le goût. Aussi, je bois que du café noir. Alors, qu'a-t-il à l'ordre du jour aujourd'hui? Eh bien, nous sortons avant un bon déjeuner, regardons un film et faisons une belle balade au coucher du soleil. Qu'est-ce que t'en penses? T'es pas sérieux, Marc, n'est-ce pas? Je le suis pas, détends-toi. Eh ben, le déjeuner et le cinéma sont bien, mais au chiot de cette putain de fin heureuse et romantique. Je sais que ça t'intéresse pas, Bria. Marc? Oui. Je plaisante, ça a l'air super sympa pour un changement. Y a qu'un seul problème. Qu'est-ce que c'est? Je possède pas de vélo. Ah, Marc! J'ai jamais pu m'en acheter un. Pourtant, tu possèdes une voiture. C'est pas comme si un vélo coûtait $1 million. Nous pourrons faire une balade en voiture à la place. D'accord, ça a l'air sympa. Marc? Ouais, Bria? Ce n'est rien. Ok, allons-y. C'était... Voilà, je suis toujours là. Par contre, on est parti, donc c'est bon. C'était la bonne fin de Just In Your Damn. Et je vais donc maintenant... Ah. Donc je vais arrêter la vidéo là, mais je vais aller chercher, parce qu'en fait je ne peux pas quitter ce tableau en continuant d'enregistrer, en mettant pause. Donc ce sera en deux parties, mais je vais les assembler pour que ce soit bon. Donc pour moi, là j'arrête la vidéo, je vais voir où chercher la troisième cassette. Puis je reviens, je réactive la vidéo, je vous la lis, et ce sera la fin de Just In Your Damn. Donc à tout de suite. Donc nous voici sur le menu. Et je vais vous montrer où est la cassette. Sur cassette 2. Vous allez dans les poubelles et vous trouvez une cassette réunion de famille. Et donc après tout ça, je vais revenir sur le menu. A tout de suite. Normalement, ça devrait être bon. À moins qu'il faille finir le jeu avec. Non, c'est bon, on l'a. Alors, enregistrement du 6 septembre 2016. Ah! Ce petit connard, ferait mieux d'être à la maison.
Hey, ouvre! J'ai dit ouvre, Dave! C'est toi! Mais qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste te rendre visite, Dave. Toi et moi, on sait que c'est de la merde, que ce que tu dis, c'est de la merde, Dan. Tu m'appelles toujours par mon prénom? Mais qu'est-ce que tu veux, Daniel? Eh bien, j'ai quelque chose pour toi. Quelque chose que tu pourrais trouver intéressant. Mais dis-le-moi, putain! Comment... Approche tes yeux de cette merveille. Est-ce que c'est un cerveau? Entre vite! Je ne veux pas être vu dans la rue avec ça! Pas de câlin d'abord? Entre... Mais putain, juste... Mais putain, entre juste, abruti! Donc, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, c'est qui? Claire. La mère de Marc? La seule et l'unique. Mais comment est-ce que t'as eu ça? Qu'est-ce que tu crois? Bah, je veux dire, je l'ai pas tué. Ouais, peu importe. J'espère que tu n'as pas pris crédit de mes accomplissements. Non, je ne l'ai pas. Mais c'est fantastique. Il y a un hic, en fait. Je le savais, je veux ma femme. Tu sais que tu peux pas la rechanger, n'est-ce pas? Tu serais pas dans cette... Elle ne serait pas dans cette merde si c'était pas pour toi. Je nous ai tous les deux fait une faveur. Tu as ruiné ma vie et notre famille. Tu étais une pathétique excuse pour un père. Tu as choisi ton travail au lieu de ta famille. Et je ne vais pas te demander de remémorer toutes les erreurs que tu as faites. Donne-moi ta mère! Et tu pourras avoir ce cerveau. Écoute, je vais te dire ce qui va arriver. Tu vas me donner le cerveau et je suis... Et je me chargerai de faire qu'elle ne te dévore pas. Qu'est-ce que t'en dis? Jiwana, je suis tellement désolé. Qu'est-ce que ça sera, papa? Prends-le. J'espère que tu trouveras ce qui te rend heureux. Ouais, eh bien, dégage de ma vie. Ne t'inquiète pas, tu ne me reverras plus jamais. Prends ça. Un enregistreur de cassette? Garde-le quelque part, en sécurité. Et pourquoi? J'ai des notes à propos de Claire. Et mes notes... sur les cerveaux émergents. Je te remercierais si t'étais pas un salaud. Oh, et pour Marc. 3, 15, 13, 5, 6, 9, 14, 4, 13, 5. Ok, je vais noter. Connard. Alors. 3, 15, 13, 5, 6, 9. 14, 4, 13, 5. Est-ce que c'est ton numéro de téléphone ou quelque chose comme ça? Il comprendra, je l'espère. Super, encore plus de tes conneries! Adieu, Dan! Adieu, fils. Ouh, un mystère. Je vais essayer de trouver. Donc, nouvelle ellipse. J'ai trouvé ce que... En fait, c'est une matière... D'abord, j'ai essayé de les assembler pour faire un code, mais bon, ça n'arrive à rien. Puis, j'ai vu un post indiquant « Transforme les chiffres en lettres ». Et ça fait comme « Find me ». Sauf que du coup, j'ai cherché et apparemment, personne n'a trouvé comment le trouver. Voilà, hein. Donc peut-être que dans une suite Justin Ordem 2 où il faudra trouver Dan, et peut-être que ces chiffres auront une autre signification, du genre qu'il faudra les insérer
insérer le mot de passe comme Find Me dans un truc pour entrer et voir Dan. En tout cas, j'en sais rien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter ces vidéos et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil pour ce let's play d'Halloween. Justin Ordem complet, je pense. Il y a peut-être d'autres trucs. Dites-le moi en commentaire. Si j'ai oublié des trucs, je le ferai. Dites-moi par exemple, non mais si tu dis ça à un tel au lieu de ça, eh ben, il y aura une nouvelle fin débloquée et tu pourras avoir la vraie vérité sur le jeu. Donc on verra. Je ne sais pas. En tout cas, je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming pour ce let's play d'anniversaire et d'Halloween en même temps. A plus.